Bonjour tout le monde, je reviens vers vous aujourd'hui pour une vidéo que je n'avais pas prévu de faire mais que je vais ajouter à mon feed de sujets puisqu'il s'agit d'une vidéo qui concerne une affaire qui date d'hier. C'est une disparition, la disparition du petit Émile qui est âgé de 2 ans et demi, qui a échappé à la vigilance de ses grands-parents et qu'on n'a pas retrouvé depuis. Donc je me permets de faire un tirage afin de pouvoir potentiellement donner des pistes si ça sert à quelqu'un qui pourrait regarder cette vidéo et peut-être pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Donc ce petit garçon faisait la sieste, les grands-parents avaient prévu de partir le promener et il a échappé à leur vigilance au moment de la préparation des affaires. Donc les forces de police ont essayé de le retrouver jusqu'à 1h du matin, donc dans la nuit d'hier, de samedi à dimanche, 8 à 9 juillet. Et du coup, jusqu'à 1h du matin, il y a eu des hélicoptères qui ont tourné, des recherches avec, je crois, les chiens. Enfin, il y a vraiment beaucoup de moyens qui ont été mis en place et toujours rien. Aujourd'hui, il y a des bénévoles qui s'y rendent pour essayer d'aider les familles et les forces de l'ordre. Donc je voudrais voir si on peut nous en dire un peu plus sur ce qui a pu arriver à ce petit garçon pour cette disparition. Ah. D'accord. Donc la première carte qui sort, c'est la carte du lait, de la laideur. Émile, Émile. Petit garçon tout blond. Je me permettrai de mettre une photo s'il y a un avis de recherche qui doit être peut-être en cours d'édition. J'ai toujours peur de mettre les visages des enfants mineurs, mais puisqu'il s'agit d'une disparition, je pense que je vais essayer de quand même mettre son visage sans que ce soit trop un problème, j'espère, pour la famille. Mon but, c'est vraiment d'aider à mon niveau avec ce que je peux, en espérant vraiment qu'on soit plus près des... le plus près possible des choses. Donc, je vais me les mettre dans mon ordre à moi, hein, je vous les retournerai après. Donc, lait, aimé. J'ai fait tomber trop de cartes, je ne peux pas les regarder. Aimé. Reprendre les circonstances de sa journée. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de sa disparition? Donc hier, samedi 8 juillet 2023. Donc j'ai la carte lait, aimer, la joie. Embarrassé, la haine, j'ai des frissons qui arrivent, alors j'espère que c'est une connexion positive. Mais malheureusement, j'ai un ressenti qui ne l'est pas tellement. Ennui, je sais que ces cartes sont très grandes, alors... Hop, hop. Mentir. La lutte de pouvoir. Alors... Je vais recouvrir ces cartes. Donc,
Déjà, les cartes sont mitigées. On peut constater donc ce qui s'est passé dans la journée d'hier. Il y a eu quelque chose qui, dans la famille, visiblement, a été peut-être une dispute, quelque chose qu'il aurait vu. Quelque chose. Alors, pour recouvrir la carte du lait, j'ai la carte du bois qui sort. Quelque chose qui serait caché, il est dans un bois. Ça peut être l'arbre qui cache la forêt, encore une fois, mais là, vraiment, j'ai la sensation qu'il s'est passé quelque chose dans un bois. Donc, il a cette carte, elle me fait vraiment écho à la chèvre de Monsieur Seguin, des histoires comme ça. Et là, on voit qu'on ouvre l'enclos. Donc, je pense qu'il a voulu visiter. Enfin, c'est vrai qu'il s'est certainement, au départ, je pense, il a voulu se promener tout seul. Enfin, c'était peut-être pas forcément, en tout cas, un kidnapping de ce que je vois. Il aurait pu vouloir partir dans sa petite tête d'enfant, se dire. Bah, je vais faire un tour tout seul, quoi. C'est un enfant, je pense, qui a, en tout cas, de ce que j'ai vu sur la photo, c'est un petit garçon, je pense, qui est très joyeux de base. C'est un enfant qui respire l'intelligence. Je pense que c'est un enfant qu'on pourrait qualifier de perspicace. Alors, la maladie, l'hospitalisation sur la joie. Donc, alors au niveau de déjà ce que je peux interpréter pour l'instant, c'est qu'il y aurait eu quelque chose de caché. Quelque chose qui n'est pas beau à voir ou à entendre, qui est en lien donc en fait avec une personne qui est triste, une personne qui aurait appris une mauvaise nouvelle, quelqu'un qui. Quelqu'un qui me semble en tout cas perturbé. Alors, je peux pas dire si c'est d'un point de vue vraiment physique ou psychologique. J'ai un doute, je vais recouvrir pour voir ce que ça pourrait me donner comme indication. Donc, stop. Alors, hop, cela. Ok, donc là, j'ai une carte d'attribut féminin. Donc on voudrait nous parler peut-être plutôt d'une femme. Je vais la mettre de côté parce que c'est pas la peine, elles sont bien trop explicites ces cartes. Allez, on va reprendre notre Émile. Où es-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Émile, pour toi? Alors, sur l'embarrassement, la carte embarrassée, on a une espèce de notion de montée d'escalier. Avec une porte ouverte. Donc, est-ce qu'il est séquestré, par exemple? C'est possible qu'aujourd'hui, on soit gêné par cet enfant, que la personne qui l'ait prise avec lui ne sache pas quoi en faire, en fait. Ce serait quelqu'un qui habiterait plutôt dans la campagne, qui serait plutôt isolé. Peut-être quelqu'un qui connaît le père de l'enfant, ou quelqu'un qui lui-même n'aime pas du tout, a eu un problème avec une relation parentale. Quelqu'un qui aurait peut-être aussi la haine, on va dire, d'un bonheur familial. La haine d'un père qui aime son enfant. Là, pour moi, on voit vraiment quelque chose de surprenant. Alors, les ennuis viendraient d'un départ. Ils viendraient d'un transport. Donc, il a été transporté. Il a été transporté, ce petit. Par quelqu'un qui n'est pas animé de bons sentiments. Et je pense que malheureusement, de sa petite promenade inoffensive, il est tombé sur quelqu'un de mal intentionné. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. J'espère vraiment me tromper, hein, quoi qu'il arrive. J'espère vraiment qu'on va me dire que c'est n'importe quoi, que ce petit a été retrouvé, qu'il va très bien, qu'il a dormi je ne sais où dans une cabane dans les bois. Peu importe, mais que personne ne lui a fait de mal et j'espère vraiment me tromper. En tout cas, et qu'il n'y a pas une personne qui l'aurait prise avec lui avec une mauvaise attention, ou en tout cas, peut-être même vouloir se l'approprier. Vous savez, il y a des gens qui n'arrivent pas
forcément à faire des enfants, qui, il y a aussi autre chose que que les phénomènes de criminalité sur les enfants. Ok. Mentir sur un statut, une situation de pauvreté. On ment pour cacher la misère. Il y a quelqu'un qui ment, qui sait quelque chose au sujet de ce petit. J'aimerais vraiment me tromper, je me demande que ça. La lutte de pouvoir est dans la chambre, donc ça représente l'intimité d'un couple, puisque c'est un lit de place. Lutte de pouvoir entre un père et une mère, deux grands-parents, deux familles. Lutte de pouvoir dans un couple, ça c'est potentiellement certain, dirais-je. C'est difficile à coller comme deux mots. Mais il y a deux paires de chaussures sur un lit de place, une chambre. Pour moi, vraiment, on est sur quelque chose de familial, je dirais. Donc il y a eu ça autour de lui. Alors, est-ce qu'il a assisté, on va essayer de savoir si c'est qu'il aurait assisté par exemple à une dispute familiale, peut-être qui aurait pu l'embarrasser, lui faire peur et qui aurait pu lui faire prendre la fuite. Par exemple, vous savez, quand on est tout petit comme ça, il suffit d'entendre un peu des cris, des voix un peu plus fortes, sans parler que ce soit une grosse dispute, mais on peut prendre peur et puis se cacher et après ne plus arriver tout simplement à regagner son domicile. En tout cas, vraiment, j'espère de tout cœur que que mes ressentis ne sont pas les bons et que tout le monde va pouvoir dire que c'est pas des sciences exactes. Moi, ça me dérange pas parce que, comme je vous disais, j'ai pas du tout de prétention et de volonté d'avoir un pouvoir plus que quiconque. Et j'exploite juste mes facultés dans. Alors, je sais que je traite des sujets médiatiques aussi. Parce que du coup, l'idée, c'est aussi de pouvoir plaire à tout le monde. Mais je la garde pour après. Mais moi, c'est d'aider, de partager sur des sujets d'actualité qui me touchent, qui peuvent intéresser un maximum de monde et y apporter un éclairage différent. Voilà. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est si les membres de la famille ont quelque chose entre leurs mains comme information. Ah! Alors, j'ai la carte de l'homosexualité qui ressort. Je pense qu'on peut en parler. C'est un mot qui ne doit pas être trop censuré, je pense, par YouTube. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va nous dire par-dessus? Le bureau. La solitude, le bureau est vide, c'est très organisé. On pourrait nous parler d'une personne méthodique qui effectivement aurait des orientations, pourquoi pas, avec les personnes du même genre qu'elle. Une personne méthodique, donc ça peut être quelque chose d'inquiétant aussi, hein, par contre. Voilà ce qui ressort. Donc là, on est face à une personne recroquevillée dans un angle. Je vais prendre une carte à qui je vais demander. Donc, est-ce qu'on peut nous dire comment se porte aujourd'hui physiquement le petit Émile? Comment se porte-t-il aujourd'hui physiquement? Émile, comment tu vas aujourd'hui physiquement? Allez manifester, allez armer, comment tu te sens? Contrôlé. Je la retourne pour moi. Ouais, il doit se sentir. Il est impressionné par quelqu'un. Je crois qu'il est impressionné par quelqu'un, alors soit quelqu'un qui pourrait porter un uniforme, pourquoi pas, mais je pense surtout quelqu'un qui représente l'autorité. Il a suivi quelqu'un, il a été avec quelqu'un qui représentait pour lui, ça peut être juste un adulte, hein, mais qui représentait quelque chose d'autoritaire.
On lui a menti. On lui a menti et il est enfermé. Est-ce qu'on peut nous dire à peu près une indication de lieu, quelque chose qui pourrait nous faire penser au lieu où il se trouve maintenant? Où es-tu, Émile, maintenant, aujourd'hui, dimanche? Où es-tu? Est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, où es-tu? Je tire sur reculer. Les écrits. Alors, est-ce qu'il va y avoir une demande de rançon? Quelqu'un qui va écrire ce qui s'est passé pour se décharger? Le père. C'est vraiment dur pour moi parce que j'aime pas du tout ces affaires de disparition sur des tout petits enfants comme pour la plupart des gens. Hein. Et c'est surtout que je reste convaincue qu'il y a encore un espoir puisqu'il n'a disparu qu'hier, mais qu'il faut faire très vite, il est petit. Le père qui représenterait une certaine forme d'autorité. Alors bien sûr, je ne dis pas du tout que le père a quelque chose à voir avec la disparition de l'enfant. Hein. C'est pas ce que je veux dire, mais voilà, ça peut être une figure. Il aurait pu tomber sur quelqu'un qui lui fasse penser à la figure paternelle et qui le suive avec naïveté. C'est quelqu'un en tout cas qui a fait preuve de fermeté, qui l'a impressionné par ça et qui le tient aujourd'hui comme esclave. C'est pas joyeux. Hein. Esclave de la lenteur, de la solitude, esclave de la solidité, de la carapace, esclave de quelqu'un qui se cache derrière une carapace. Il se sent esclave. Oh, je vais recouvrir. La lenteur. Pour moi, c'est la lenteur. Oui. Alors pour moi, vraiment, donc là, on est sur quelqu'un qui détiendrait ce petit enfant, contre sa volonté, bien entendu. Quelqu'un qui en fait le tient en détention contre son gré et qui est content de l'avoir pris avec lui. L'objectif, c'est peut-être un couple stérile, par exemple, qui ne pourrait pas avoir d'enfant, ou un couple, comme on a tiré la carte de l'attirance pour les genres du même genre, enfin voilà, le mot que je ne sais pas si on peut dire. Est-ce que ça peut être lié à ça? C'est un peu trouble encore. Je rappelle qu'aujourd'hui, on n'a vraiment aucune information. Hein. Je traite l'actualité en direct pratiquement. Caché. Ça représente le petit garçon. Donc, je vais la laisser de côté. C'est une carte blanche. On la recouvrira quand même. C'est dur de s'arrêter de tirer quand il s'agit d'une disparition inquiétante. Caché, le chef. Donc il y a bien quelqu'un qui est intervenu et qui occupe un rôle important dans cette histoire. Bon. Il y a eu l'intervention d'une tierce personne, j'en suis quasiment sûre. La carte du jeu. Alors peut-être qu'on l'a séduit par le jeu, mais pour moi, il y a vraiment eu. Il y a quelque chose de malsain là-dedans. Et je pense qu'on a voulu lui faire croire que c'était un jeu, quelque chose de ouais, voilà, on s'est mis à la portée de l'enfant, quoi, et on a profité de lui pour le rapter. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Et je parle au conditionnel. Hein. Donc, une ferme ou quelque chose de ferme ou quelque chose de fermé. Là, je le fais vraiment en temps réel et j'essaye vraiment de me concentrer au mieux pour pouvoir vous apporter
quelque chose de plus construit possible. Au cas où la famille coupable. Au cas où la famille regarderait ça, ou je sais pas, peut-être des avocats, la police, la RPD, ou je ne sais qui. La fascination. Ouais, donc on voit que pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est dû à une force humaine hein, là-dedans. Il n'a pas disparu tout seul, cet enfant. On cache, alors il y a de la violence qui a eu lieu. Alors, est-ce que c'était déjà quelque chose qui était prémédité? Je pense pas. J'ai pas la sensation d'une préméditation, par contre. Par contre, je pense qu'il y a eu quelque chose qui a fait que, je sais pas, il y a... Ouais. Donc, dans le chef, il y a quelqu'un, je crois, en tout cas, qui connaît plus ou moins la famille ou qui est pas très loin. On voit un hug, là, c'est des gens qui se font un câlin. Le chef est proche, je pense, de la personne qui est atteinte de tristesse, soit des grands-parents, soit des parents, soit du petit. C'est quelqu'un alors, c'est pas prémédité, mais c'était quelqu'un de malveillant autour d'eux. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un de malveillant autour d'eux. Alors, je ne sais pas dire si c'est une opportunité et quelqu'un qui est malveillant dans sa conception du monde et dans sa façon d'être. Encore l'armée qui tombe toute seule. Hein. Donc là, elle devrait recouvrir la carte du jeu. Peut-être qu'on lui a fait croire que c'était un jeu pour le suivre, enfin pour que le petit suive. Ça me fait penser au petit Grégory, pour rien vous cacher cette affaire. Alors, malheureusement, je tombe sur un hôtel. Un hôtel, pas l'hôtel où on dort, hein, évidemment, un hôtel A-U-T-E-L. Et sur la carte ferme. Donc, pour moi, il y a eu peut-être un rituel aussi. En tout cas, il y a quelqu'un qui pratique quelque chose en lien, soit avec un hôtel qui ne me paraît pas être forcément maléfique, hein, ça peut être un hôtel dans une église, mais c'est quelqu'un qui est ferme sur ses positions, qui a des convictions très fortes, la personne qui s'est mêlée de tout ça, et ouais, c'est quelqu'un qui a semé, c'est quelqu'un qui a fait ses plans, si on y va par là, c'est quelqu'un, alors pour moi, il n'y a pas d'anticipation, mais c'est quelqu'un dans sa façon d'être qui sème le trouble, qui sème... Vous voyez, quand on sème, on fait d'abord des tranchées, là, je ne sais pas comment on dit, des trous, quoi. Et on est sur quelque chose de très droit. Donc, il y a quelque chose quand même de l'ordre d'une pensée qui pourrait appartenir à une psychologie psychomaniaque. Quelqu'un qui aurait peut-être des traits de... Comment on dit cette... Des tocs. Quelqu'un, ouais, qui serait vraiment très... psychorigide, voilà. C'est le mot que je cherchais. Quelqu'un qui serait aussi peut-être, pourquoi pas, proche de la campagne. Hein, ça pourrait être un agriculteur. Moi, j'ai la sensation qu'on nous parle d'une personnalité, plus. Et encore ça. C'est fou quand même, hein, parce que le paquet est énorme. Je le brasse depuis tout à l'heure. Hein, voilà. Et je retire les mêmes cartes. Bon. La fascination. Donc, je pense que la personne qui est intervenue connaît sûrement... la mère. Il y a une fascination autour de ces trois personnes. Hein. On ressort vraiment ces trois personnages. Hein. Et sur le petit, la carte pour recouvrir la carte blanche que j'ai tirée tout à l'heure, vraiment sur lui. Bon, bah, elle vient toute seule. L'obscurité, il est caché. On en saura plus peut-être dans la soirée, possiblement. On veut nous montrer peut-être que quelque chose... Alors, tout à l'heure, j'avais la carte liée à la sexualité. Là, on voit encore l'arc-en-ciel qui est le symbole LGBTQ+. Est-ce que ça peut réinsister sur l'orientation de cette personne au niveau de sa vie privée? Ou... Moi, je pense que c'est possible aussi qu'on nous indique que le petit... dans sa... dans sa, comment dire, sa candeur d'enfant, voyait que le côté positif de la chose, et aujourd'hui il en paierait les conséquences. Une infirmière. Donc moi, je pense que si homosexualité il y a, ça concernerait potentiellement une femme. Ici, j'avais l'impression de deux hommes, mais finalement
C'est vraiment une impression, hein, donc potentiellement, ça pourrait aussi concerner une femme qui serait dans l'affaire. Donc vigilance, en tout cas pour moi, quelqu'un est intervenu. Ce petit garçon, on ne dit pas qu'il est mort pour le moment, donc tant mieux. Je vais quand même pas oser poser la question ainsi. Je vais pas oser non plus aller plus loin dans ce que je vais vous dire aujourd'hui. Je pense qu'au départ, il y a eu un espèce de jeu, quelque chose qui a été instigé par une personne ou que le petit tout seul a voulu jouer et qu'au moment où il est parti, quelqu'un a utilisé le jeu pour le garder avec lui et l'emmener à des fins malveillantes. Donc on a vu le bois, on a vu l'isolement, on a vu qu'il y avait la carte du voleur. Donc vraiment, on est sur un rapt. Pour moi, je pense que ce petit a été embarqué par quelqu'un et malheureusement, aujourd'hui, la personne ne sait pas quoi en faire. S'il vous plaît, si vous écoutez cette vidéo, cette personne, quel que vous soyez, ne faites pas de mal à cet enfant. Je vous en conjure, si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, l'important, c'est vraiment que ce petit reste en vie et que ses parents puissent le retrouver en la meilleure santé que possible. Je vous invite tous, alors pour les catholiques, aujourd'hui on est dimanche, donc n'hésitez pas à prier pour cette famille. Et puis pour les gens de toute confession, vous voyez bien le monde dans lequel on vit aujourd'hui, essayons de nous...